Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce 19e épisode. Donc l'épisode précédent, je crois que ça devait être le 18e, si je vous dis pas d'annerie, j'ai coupé un petit peu à la sauvage, je m'en excuse. Mais j'ai mon ptio, enfin un de mes ptio qui est rentré dans mon bureau et du coup j'ai interrompu, je pensais reprendre assez rapidement. Et puis en fait il s'est passé pratiquement une bonne semaine. Donc du coup... j'ai décidé de faire un petit découpage, vous aurez la quête d'avant qui sera toute seule, celle-ci qui sera sur un autre bout de vidéo, et puis après je vais peut-être vous faire la quête qui fait que 30 minutes, ça fait que si je la fais en moins de 30 minutes, enfin bon, faire une vidéo d'une trentaine de minutes là, en gros si j'arrive à m'y tenir, et bah, je vous le colle au bout de vidéo qu'il y avait avant, et si j'y arrive pas, bah, ce sera un épisode indépendant avec un petit épisode... Hop, ouais, on n'arrive pas à passer. On est pété, mais pas à ce point. Ouais, alors j'avais marqué un adepte. Je me suis dit peut-être que je vais m'y faire. Et puis c'est là que je me suis rappelé que... Bon, là, je suis sur la quête l'atelier de Phidias. On va attendre de retrouver un petit peu au point de vie. Il y a l'étage. Hop. Ah mais je me sens enroulé là. Elle est où l'entrée? Ah bah oui, forcément. Passe ton chemin. Halte. Je ne peux pas te laisser passer. Je te demandais pas la permission. Alors, tu fais quoi ça, là au milieu du chemin devant les ateliers d'artistes maintenant. Je fais ce qu'on me dit, étranger. Et jusqu'à nouvel ordre, personne n'entre ni ne sort. Donc pour rappel, Phidias, c'est celui qui devait se faire assassiner par le membre du Cosmos, qu'on voulait que moi je brûle avec un tison ou un truc comme ça, que j'ai refusé. C'est important. J'ai ordre d'éloigner les gens. Tu pourras voir Phidias après son procès, s'il n'est pas condamné à mort. Je travaille pour Périclès. Il m'a demandé de venir voir Phidias. Et moi, je travaille pour le peuple d'Athènes, qui veut la mort de Phidias. Alors tu t'en vas si tu ne veux pas mourir, toi aussi. Je vais pas payer. On va essayer. Ça s'achète, après tout. Bon, combien tu veux de drachmes? Ça dépend. Combien tu as? 500? Tiens, voilà. Ça fera l'affaire, mais si tu le répètes à quelqu'un, je te tue. Garçon. Non, j'allais te dire la même chose. C'est clair. C'est moi qui suis en position de te tuer, pas l'inverse. Bon, on va se faire ça de façon. Il est où? Il est là-haut. Pas grimper par là, bon. Bah ma foi c'est bien, on peut pas tout escalader. Ah, il y avait un passage. Et comment on atteignait cet étage? Pas bon, c'est pas grave. Allez, grand. Coucou. Pardon, désolé. Comment as-tu fait pour entrer? Le garde ne laisse passer personne. Du calme, c'est Périclès qui m'envoie. Loué soit Athéna. Je savais qu'il m'enverrait de l'aide. J'ai eu peur qu'on t'ait envoyé me tuer. Ouais. Je suis là pour te faire quitter Athènes. Alors, il sait pour le complot. Tu parles du procès? D'après ce que j'ai vu, tu n'as aucune chance. Oh, le peuple m'adore. Je suis Phidias. Mais il y a autre chose, regarde. Bah déjà, ce que je sais, c'est que le Cosmos veut ta mort. Pourquoi, par contre, ça t'ignore? Ce n'est pas du procès que Périclès veut protéger. Ce sont des instructions pour te tuer. Qui a écrit ça? Le Cosmos. Je ne sais plus à qui me fier. Je ne suis qu'un artiste. Tout ce que je veux, c'est créer. Dis-moi ce que je dois faire.
Avant tout, il faut que tu te ressaisisses. Tu dois être jugé, la population est contre toi, et voilà que j'apprends que le culte veut ta mort. Mais tu l'apprenais déjà avant, grand. Je t'ai pas dit de te ressaisir, là. Tu le savais, t'étais dans la grotte avec moi, grand. Je veux même pas savoir. Faut partir. Où faut-il que je te conduise? Il y a au sud d'Athènes une île appelée Sériphos, où habite mon ami Terras. Quand j'ai eu vent de ce complot contre moi, je lui ai fait passer un message. Si quelqu'un peut nous aider, c'est lui. Bien. S'il a des indices sur l'identité des adeptes, tant mieux. Oui, tout peut être utile. Un garde. Alors ça fait une petite semaine que j'ai pas joué, je risque d'être rouillé d'en chier à chier les assassinés. Hein. Attends de me voir sur les quais pour te montrer. Très bien, j'ai compris. Ah mais saute pas comme un bœuf, hein. Tu te planques et on fait un assassinat discret. Que j'allais te laisser tranquille comme ça, non? Bon alors, tu es où? Ah, le traître. Tu m'appartiens! Hop! Hop, 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 hop! Allez. Ah bah si je me trompe de touche, c'est sûr que ça allait pas marcher. Non. J'ai vu qu'il y avait un coffre là-haut, j'aimerais bien aller le récupérer. Là il y a des trucs à piquer ou pas? Ouais, il y a des trucs. Après tout, ça m'a coûté 500 drachmes cette affaire. Faudrait peut-être que je pense à me refaire. Mais là, comment je suis censé passer ici? À part en escaladant. Voilà, il n'y a pas d'autre solution que d'escalader, quoi. C'est un peu ridicule. Mais enfin bon, c'est pas grave. Allez. Bon, jusque là. Bon, juste deux. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas récupéré les 500 drachmes en assassinant l'autre soldat léger athénien. Hop, on va appeler le cheval. 500 mètres, ça peut être un petit peu long à faire. Il faudrait juste qu'il arrive avant que je sois sorti. Allez, hop. On n'est pas vraiment beaucoup plus rapide, mais c'est... Ah, hop, 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 hop. Carte. Ah, ah. Excusez-moi, on va faire un petit détour avant de faire la quête. Hein. C'est bien ce qui me semblait que j'avais aperçu l'aigle. Donc on va faire le point synchronisation. Ça peut être pas mal pour les TP à venir. Au moins, je passe devant. Pour rentabiliser le déplacement. Hop. Allez, on continue, on continue, on continue. Bon, de toute façon, je pense pas que je vous spoil vraiment les histoires, parce que le jeu est en sortie depuis un petit moment. À mon avis, vous savez déjà tous comment ça se termine. Mais la question, c'est pas tellement la destination, c'est le chemin. Vous savez, hein, c'est ce que disaient les philosophes sur l'importance du voyage. C'est pas l'endroit où on va, c'est comment on fait pour y parvenir. Hop. Hop. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Hop, petite synchronisation des familles. On aperçoit l'acropole là-bas. Il va falloir que je retourne voir le roi aveugle, là. Vu que j'ai vu la statue d'Athènes. Et d'ici, on voit l'autre point. Hop. Allez, on fonce. Ah, ça peut être intéressant de revenir ici la nuit. Et de piller un petit peu tout, là.
Athènes a l'air d'être une ville où il y a pas mal d'argent à se faire. Déjà, j'ai pillé leur temple. Ce qui était une bonne chose. Déjà 10 minutes de passé. Si je médite, peut-être que Phidias sera là quand j'aurai fini. Ah, il fallait que je sois là la nuit. Oh, bien, tu es là. Apparemment. Je commençais à m'inquiéter. Je t'ai dit que je devrais quitter Athènes. C'est vrai, oui. Ton Allez. Ami est digne de confiance ? Péras et moi, nous sommes amis depuis très longtemps. Je lui ai envoyé un message pour lui dire où nous retrouver. C'est, ce qui est con, c'est que je ne sache vraiment pas l'identité du gars du culte du cosmos. De cosmos. Partons pour Seriphos tant que nous pouvons. Et pourquoi c'est pas moi qui l'amène avec mon bateau ? C'était plus sûr. Ah bah c'est le cas. Donc, au poste de navigation. Et revoilà. Moralité, j'ai bien fait. J'aimerais juste voir la carte avant. Où est-ce qu'il m'envoie ? Donc j'ai bien fait de prendre le point de téléportation. Allez, bon, on suit le point. Allez, plus vite ! Vitesse maximale ! Là, d'ailleurs, ça me fait penser, je pourrais pas améliorer mon navire ? Ça me coûterait... Ah non, je manque de fer. Tir de 3 lances, oui. Ça, ça me permettrait d'avoir 3 lances de javelot successifs. J'ai pas mal de tablettes, donc je pourrais me le permettre. Tir de projectile enflammé infligeant, ouais. Bon, on va se faire ça. Voilà. Donc faut que je pense à... Le retour du capitaine. Abaissez la voile. Voilà. J'aurais jamais cru devoir quitter Athènes. On s'habitue à partir. Crois-moi. Donc ça, c'est le port du Pirée, alors. Quelle est l'île qui est devant vous ? Ça, mon ami, c'est la célèbre île de Salamis. L'endroit où Athènes a triomphé des Perses. C'est exactement. Que le monstre. Tata. Où c'est qu'il a vu Salamine ? Ah bah là. D'accord. T'as, c'est dingue, Salamine, j'y voyais plus par là, moi. Ma foi, pourquoi pas, peut-être. Mais sincèrement, je voyais plus Salamine sur la côte est, moi, de... Après, c'est peut-être que le monde a été tellement compacté que ça a été ramené ici. Donc là, il y a des pirates. Capitaine, bon combat ! Se dirige droit sur nous ! Maintenant ! Hop. Ils viennent droit sur nous. Préparez vos armes. À l'abri. Ils vont tirer d'un instant à l'autre. À la garde. Ils vont nous tourner. Un petit coup d'incendie. Soyez prêts à tirer. Les lances. Hop là. Je pense pas que j'aurais besoin de me reconstituer. Ils sont prêts à tirer. Tirez. Là, des choses à repêcher. Archers en position. Et on va récupérer les ressources d'abord. Et puis dès que je vais être à portée, hop, je balancerai le feu. Ils cherchent à nous éprôner. On va voir s'ils aiment les flammes. Projetez les lances.
Lâchez! Lâchez les flèches! Lâchez! Préparez-vous! Allez, hop. Là. L'ennemi est prêt à tirer sur nous! Attaquez! Attention, ils vont tirer! Ouais, par contre, il faut que j'arrête de faire le con. Attention! Maintenant! Des archers devant! Ils sont prêts à tirer sur nous! Allez, point faible. Les lances, vite! L'ennemi tire des flèches! Ils ont entamé nos défenses, Capo! Allez, on aborde. Parce que là, je peux pas me permettre d'attendre. Nous nous sommes bien battus, mais d'autres combats nous attendent. Allez. Ce qui m'a perturbé, c'est celle de la tienne. Hop, hop, hop. Et boum. Eh bah dis donc, ça aura pas traîné. Elle est sympa quand même la furie là. Brassard athénien, bois d'olivier. Par où je devais aller, moi? Par là-bas. Vitesse de boîte! Allez. Des choses à récupérer, tout près! Ouais, je vais essayer d'éviter le bateau athénien là-bas, là. Bon, je suppose que je vais devoir me taper d'autres combats. Je suis un petit peu rouillé quand même, je vous prie de m'excuser. C'est vrai qu'une semaine sans jouer, c'est excessivement long sur ce genre de jeu. Allez. On continue. En tout cas, les orages rendent superbement bien. Quand on sait que j'ai pas mis le jeu à fond. Pour ce qui est du jeu et des caractéristiques à fond, je vous avais parlé du fait que j'avais changé mon PC. Donc il y a des composants qui sont pas forcément dispo. Je suis sur matériel.net. Je suis en train de regarder, donc je vais me faire ça gentiment mais sûrement. J'espère avoir ça pour Noël. C'est un beau navire. Mais je garantis pas. Faire quoi? Combler les silences. Oh, je n'essayais pas de faire ça. C'est tout simplement que je prends rarement la mer. Parfois libérateur. Hop. Oui, libérateur me semble au juste. Même si je commence à avoir la nausée. Alors penche-toi par-dessus bord si tu sens que ça vient. Voilà, je passe entre les navires. Je sais pas s'ils m'ont agressé, hein, mais il y a des années. Pour le principe, je vais être prudent. Comme celle-ci, mon vieil ami Garros et moi avons entendu des voix chanter nos noms dans les ténèbres. Ah, il parle des sirènes. Que nous en avons oublié comment naviguer. Ne me dis rien. Tu as vu les sirènes? Je me suis bouché les oreilles pour ne plus entendre leurs chants. Mais quand j'ai voulu avertir Garros, il n'était plus là. Je ne l'ai jamais revu. J'en suis navré. Quand la mer t'appelle, impossible de savoir où elle va t'emmener. Garros est peut-être le roi d'une contrée lointaine aujourd'hui.
Comment savoir? Non, non. Jusqu'au retour du capitaine. On arrivera bientôt à Serifos. On est arrivé, grand. Mais par contre, je regarde pas, c'est sur mes capitaines. Ils sont assez badass. Je suis content de te voir sain et sauf. Moi aussi, Terrace. Mais des petits bugs de texture. Ouais, des petits bugs quand même de vêtements. Ouais. Ah oui, voilà le héros compatissant dont parlait ton message. Ouais. Je suis heureux d'avoir pu lui sauver la vie. Et pour te remercier, j'ai trouvé des informations sur un dénommé Brison qui cherche à tuer Fitz. Espérons que cet indice pourra être utile. Donc c'est Brison, celui que j'ai rencontré là-bas, alors. Remercie Périclès pour moi. Et fais-lui mes adieux. Et sois prudent. Je pense que beaucoup sont encore en danger. Alors, est-ce qu'il y a un point de TP sur cette île? Oui. Alors, la première chose à faire avant de repartir... c'est d'aller choper le point de TP. On est quand même plus rapide en passant par ce qui est prévu pour. Allez, grimpe. Quoi, tu veux dire que ça, tu sais pas grimper? Bon Dieu, allez, que c'est aussi une des soies. Allez, on va. Ok, sur le temple. Ah. C'est bon, il n'y a personne qui me voit. C'est bon, personne m'a vu. Non, pardon. Allez, on grimpe. Non, grand fou. Faut pas sauter comme ça, tu vas te faire mal, voyons. Allez. Escalade tout ça encore une fois. Allez, on synchronise. Bon, jusque là, ça se passe bien. On va voir ce qu'il y a dans le temple. Il n'y a rien à piquer. Et en plus, il y a du monde. Du coup. Donc ça, c'est fait. Faut que j'aille où? Ouais, pour payer ma quête. Ouais, c'est bon, pour 52. Là, j'ai 52. 134. Ça pourrait avoir le coup que j'aille taper du mercenaire. Là j'ai la forge mais j'ai pas les trucs nécessaires. Qu'est-ce qu'il me reste comme quête à faire dans le coin par là-bas pour Athènes? L'ostracisme. Mince. A chaque fois j'oublie de regarder la carte après avoir modifié la quête. Inventaire. Est-ce que j'ai un arc plus puissant? % de guerrier. Je perdrai en dégâts de guerrier, en dégâts d'assassin, mais je serai meilleur en chasseur. Par aptitude sur plus 12% par aptitude surpuissance. Non, ça c'est juste bien. Vu que j'ai la surpuissance maintenant. Ouais, niveau épée. Moi, je pense pas que j'ai quelque chose de mieux. Dague, oui. Ouais. Brassard. Casque. Voilà, jusque là c'est pas mal. Plastron. Mouais.
Je suis sceptique. Ouais, je vais garder ça. Tant que j'ai pas récupéré le set entier d'Agamemnon, je pense pas que je changerai. Enfin, le set entier. Elle a l'air sympa son épée. Bon, enfin. Et ma mission, elle est ici. Donc je vais me TP là. Donc ça, on est au courant. Utiliser pour une aptitude, oui. Il existe de nombreux types de dégâts, guerriers, chasseurs, assassins, incendiaires, toxiques, perte de conscience, etc. Les ennemis résistent plus ou moins bien, oui. Les attaques ennemies varient selon l'armement, le niveau de la faction. Oui, en gros, soyez pas trop teubés. Ah, j'ai pas eu le temps de dire les disciples d'Arès. Hop, par là. Faut pas que j'oublie, c'est que la sortie, à chaque fois, je me fais avoir. Hop, t'emballe pas. T'emballe pas, Biloot. C'est par ici que ça se passe. Hop. Du coup, j'ai un point. Non, c'est pas échappe. Du coup, j'ai un point de compétence. Que je pourrais mettre où? Ça, faut que je la lance niveau 5. Ça, c'est fait. Ça, je peux l'améliorer. Dans les dégâts, ça pourrait être pas mal. Ah, le perce-bouclier, ça pourrait être sympa. Parce que là, ça perce tous les boucliers. Que là, je suis limité sur les boucliers que j'arrive à avoir. Ou sinon, ça. Ah, je pourrais viser 6 ennemis. Ça sinon non, ça je peux pas. Ça améliorerait ma défense, mes dégâts, ma régène, le perce bouclier. La lame, ça pourrait être bien. Quand je nettoie une zone, ça c'est sympa. Par contre, ça c'est bien, c'est pour les batailles. Oh, d'ici à la prochaine bataille, j'aurais bien pris encore un peu de niveau quand même. Ou sinon, je prends le perce bouclier qui me permettra de shooter tous les boucliers ou d'améliorer de 30%. Allez, on va prendre ça. On va prendre ça, je pense que c'est ce qu'il y a de plus utile pour l'instant. Vous aurez fait quoi à ma place? Dites-moi. Et d'ailleurs, vous, comment vous avez construit vos personnages? Je parle pas encore une fois que vous êtes niveau 50. Une fois que vous êtes niveau 50, hein, c'est un peu comme tous les MMO, c'est pas trop compliqué. Le problème, c'est durant la phase de leveling. Parce que faut avoir, on n'a pas tous les points. Donc il y a des priorités à faire. Vous, comment vous avez prioritisé les différentes choses? Non mais, ouais, ça passe pas là. Bah ouais, tu vois que ça passe. Hop, dis-moi ce qu'il y a à faire, moi. Tu dois être l'envoyé de Périclès. Oui, c'est moi. Il m'a parlé d'un vote d'ostracisme, mais ne m'a pas dit ce que je devais faire. C'est normal. Et c'est pour ça que je suis là. Ouais, de toute façon, on est banni 10 ans, hein. C'est alors, pas la fin du quel monde. Est mon rôle? Les gens ont déjà voté. On ne va pas tarder à compter les voix. Prends les ostracas qui sont dans ce sac et échange-les contre ceux qui sont sous bonne garde. Tu veux que je manipule ce vote? Périclès le souhaite, oui. Et il a sûrement ses raisons. Apporte-moi le sac qui se trouve dans la salle et je m'occuperai du reste. Personne ne me verra entrer ni ressortir. Reste ici. Hop. C'est pas beau ça de truquer un vote de monsieur Alexios. Bon, je vais faire, c'est la mission, mais c'est vraiment pas beau. Difficile d'imaginer que la cité est assiégée par une armée de Spartiates. Bah, c'est vrai que la cité était assiégée, mais pas par voie maritime, uniquement par voie terrestre. Et vu que Athènes était une puissance maritime avec sa ligue de Délos, bah forcément,
Par contre, c'est ce qui leur a coûté là énormément aussi. Ce lieu sera bien défendu. Ouais, je suis rentré un petit peu vite. Par contre, lui, il aurait dû me voir. Ah, là aussi, il y a du trésor. Oui, il y a des trésors un peu partout, faut juste faire gaffe. Alors, là, les deux, ils se séparent quand ils veulent. Ah, mais en appuyant sur la touche, sur le pavé numérique, le petit 2, j'ai une autre roue. Je savais qu'il y avait ça sur console, mais j'avais jamais fait gaffe qu'il y avait ça sur... Voilà. On est au plus loin. Jamais ils se séparent, eux deux ? Il y en a un truc à faire à l'étage. Alors s'il vient par là... Non mais marche pas dans les fleurs, abruti. Voilà. Fufu jusqu'au bout. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire mon assassinat tranquillement? Allez, viens me voir. Comme ça, oui. Donc là, il y a des choses à voler. Faut que j'aille au rez-de-chaussée. Faut que j'aille au rez-de-chaussée.
Allez. Comme par hasard. Lui, il n'a pas bougé du tout. De tout mon mouvement. Et il se ramène maintenant. Allez. C'est l'heure de piller. On va faire le tour. On va continuer hein, maintenant qu'on est là. On ne soit pas venu pour rien. Ah mais il y a un passage là. J'étais couillon. J'aurais pu passer par là après avoir éliminé le premier. Ouais mais il se retournait. Il se retournait de toute façon, j'étais coincé. Allez, on va continuer de se servir. Après tout, j'ai payé 500 drachmes l'autre. Alors, pour qu'il me laisse passer, il faut que je me les refasse. Encore un là. Qu'est-ce que ça dit ici? Voilà. Et encore 2-3 trucs à voler. Ouais, bah, de toute façon, il aurait fallu que j'explore tout. Ça devrait faire l'affaire. Il faut que je prévienne l'agent de Périclès. On va en profiter pour tout piller. Voilà. Donc ça c'est fait. Juste ça. Et ça y est, on a fait le tour. Moi je sais, je nettoie bien les zones. Peut-être un petit peu trop. On va voir, est-ce que je peux pas voler ça? S'il y a personne qui regarde. C'est bon, personne n'a vu. Tout ça pour un chou et un javelot au plit. Enfin bon. C'est le geste qui compte quand on vole. Qu'importe la valeur finalement. Bon, normalement la mission s'est bien passée. J'ai pas été repéré vu que j'ai assassiné tout le monde avant. Oh, un cochon qui dort. Pardon. La question c'est vu qu'il y a eu tous ces morts. Est-ce qu'ils vont se douter que ça a été manipulé? C'est fait. Tu travailles vite. Mais qu'est-ce que tu comptes en faire? Les jeter dans un puits. Ah, on dirait que le magistrat est arrivé. Pardon pour ce retard. Il a été établi que quelqu'un avait tenté de manipuler ce feu. Pas d'inquiétude. Tous les Ostrakas sont là. Les voix ont été comptées et Anaxagore sera ostracisé. Je comprends pas tout, je vous avoue là. L'amitié doit naître lentement. Mais une fois présente, elle doit rester constante. La vie me sera plus difficile maintenant qu'Anaxagore doit quitter Athènes. Nous étions proches.
mais il l'était plus encore de Périclès. C'est étrange qu'il ne soit pas venu le défendre. T'es qui ? Enfin, je sais qui t'es, j'ai vu ton nom. Et on te répondra Socrate. Mais un nom ne signifie rien. Ce sont nos actes qui nous définissent. Et chaque action a sa récompense et son prix. Ah, il va me retourner le cerveau, lui. Dit, toi, qui penses-tu être ? Mon nom ? C'est ce qu'il y a sur ma personne, mais est-ce que c'est ce qui me définit ? Alexios, je n'ai pas davantage l'impression de te connaître. Ah voilà, j'en étais sûr. Peut-être puis-je découvrir autrement qui tu es. Tu tiens à me connaître ? Le savoir est la seule richesse de ce monde. Le savoir, c'est le pouvoir. Bien sûr, c'est la quête du savoir qui m'anime. Donc sur ce point, nous nous ressemblons. Mais j'ai l'air vachement sincère. Savoir quelle arme utiliser ou quand faire appel à la raison plutôt qu'à la force. Alors nous ne mettons pas notre amour du savoir au service des mêmes choses. L'important c'est qu'il me soit utile. Tu es visiblement prêt à faire ce que tu estimes nécessaire. Pour de l'argent ou à des fins plus personnelles. Oui, c'est le cas de beaucoup de gens. Et j'avoue me demander ce qui t'a poussé à agir, c'est humain. C'est à cause de toi que mon ami va devoir quitter le seul foyer qu'il ait jamais connu. Ké. J'ai jamais été bon menteur. J'ai fait ce qu'on m'a demandé, surtout. Tes raisons dépassent-elles celles de l'homme que tu as aidé à ostraciser ? Mais le point est intéressant. Qui est le plus responsable ? Anaxagore pour s'être mis en mauvaise posture ? Ou toi pour avoir scellé son sort ? Les deux, mon capitaine. Lui s'est mis en posture d'être ostracisé. On ostracisait pas tout le monde, on ostracisait ceux qu'on semblait, ceux dont on pouvait se méfier, ceux qui avaient réuni trop de pouvoir, ceux qui commençaient à faire preuve de trop d'arrogance, ce genre de choses. Il s'est mis dans cette posture, moi j'ai juste fait que le pousser. Je ne suis pas responsable de ses actes. Il a ouvert la porte. J'ai déjà assez à faire avec les miens. Alors réfléchis à ce que tu as fait à propos d'Anaxagore et de tes choix. Socrate, tu es là. Oui, je suis là. Tu es en retard, ils t'attendent tous. Je souhaitais connaître le sort d'Anaxagore. Voilà qui est fait. Dis-leur que j'arrive. Eh bien, voilà qui met fin à notre conversation. Mais j'ose espérer que nous en aurons d'autres. Ah, va savoir. J'ai fait tout ce qu'a demandé Périclès. Il est temps de retourner le voir et de découvrir ce que ces Athéniens savent sur la mer. Hop. Elle est où ma quête là ? J'en suis à combien ? À 1 sur 7. Allez, on va aller au banquet. Ah, je sais pas si je vais pouvoir y arriver au banquet. Ouais, ça va, elle est pas sur ma route. Niveau mercenaire, elle en est où, là ? Elle est pas là. C'est pas celui-là. Niveau 18, il y a peut-être moyen que je me la fasse. Abandonnée dans les bois, Antiros, alors qu'elle était enfant. La chasseresse. On va se faire une petite sauvegarde. Je peux pas sauvegarder ? Pourquoi je ne peux pas sauvegarder ? Bah, je suis pas dans un lieu sûr. Ah, j'étais suspendu. Ok. Et puis, là, je vais tenter de me faire la... Je vais même rien tenter du tout. Je vais tenter ça au prochain épisode, je pense. Enfin, je sais pas si je vais aller faire la mission ou faire la mercenaire. Ce que je sais, c'est que ça fait déjà 45 minutes, donc je vais vous la laisser ici. Ça sera là tout pour cet épisode. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et dites-moi, petite question, la bonus qui me traverse l'esprit,
Est-ce qu'on pouvait éviter de se faire cramer là? Il fallait ne tuer aucun garde? Ah oui, c'était ça le truc, ne pas tuer de garde. Dites-moi les amis. Tchou tchou.